Des fois, j'ai plein d'idées, puis des fois, j'en ai pas pantoute. On dirait que chaque type de contenu que je fais a des phases. Puis il y a trois phases vraiment que je vois. Puis chaque type de contenu que je fais peut être dans une phase différente. Puis là, présentement, c'est le cas. Puis je vais donner des exemples. Tu sais, les trois phases qu'il y a, c'est j'ai trop d'idées, j'ai juste assez d'idées ou j'ai pas assez d'idées. C'est pas mal ça. Puis un exemple, c'est que là, présentement, avec les stories que je fais, j'ai juste assez d'idées. C'est parfait, ça va bien. Si on regarde avec les vidéos que je fais en anglais, les reviews de parfums, j'ai trop d'idées. J'ai une liste, j'ai peut-être une cinquantaine, voire 75, genre jusqu'à 100 vidéos que je sais déjà que je vais faire ces vidéos-là, puis que je sais plus, c'est rendu à chaque semaine, faut choisir lesquelles que je vais faire. Ou là, l'idée que j'ai plus d'idées, qui est présentement avec ces vidéos-ci, qu'on dirait que j'arrive, tu sais, j'ai comme un nombre de sujets que j'ai. J'épuise ces sujets-là, puis j'arrive à la fin. C'est ça qui se passe, je pense. C'est que j'ai plein de sujets, puis un temps que je n'en ai plus. Puis là, je réalise ça aujourd'hui, que j'ai ces trois phases-là. Puis quand je fais ça, quand je passe dans la phase que j'ai plus d'idées, règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'arrête les choses ou, tu sais, ça diminue beaucoup. Puis, tu sais, la quantité de contenu qui va être faite, la qualité du contenu, ça diminue. Puis après ça, j'arrive à un temps où je réalise que, hey, y a plein d'affaires que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Fait que, tu sais, ça remonte. Puis là, je reviens avec cette bulle-là. Puis je vois que ça fait des cycles. Puis, je pense de juste réaliser qu'il y a ça qui a comme cycle dedans mon contenu. Ça me permet de voir que, tu sais, si j'ai plein d'idées, ça va arriver un temps où je n'en aurai plus d'idées. Si j'ai plus d'idées, ça va arriver un temps où je vais en avoir d'autres idées. Puis de reconnaître ça comme étant des cycles. Puis tu sais, je suis sûr pour toi aussi, t'as des cycles comme ça qui vont arriver, que t'as beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie. Tu sais, de reconnaître ça, ça donne la puissance sur ces cycles-là. Des fois, j'ai plein d'idées. Puis des fois, j'en ai pas pantoute.